Hep, hep, hep. Votre numéro de réservation. Si vous n'en avez pas, je vais vous demander de partir. Elle est avec moi. Oh, merci. Écoutez, pourquoi vous faites tout ça pour moi? Je ne suis personne pour vous. J'ai peut-être vu quelque chose de spécial chez vous. Chérie? Ma chérie, voici... Kate. Katie. Kitty. Pauvre petite, vous êtes complètement trempée. Oui, juste un petit peu. Tenez. Vous en avez besoin. Merci. Buvez. Réchauffez-vous. C'est important. Et voilà. Vos lèvres rougissent. Vos yeux brillent. Georges, elle est si belle. Je vois ça. Ah, eh ben... Merci. Je devrais y aller. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangée. Absolument pas. Il pleut des cordes dehors. Oui, elle a raison. Oui, c'est vrai. Et si on allait chez nous? Vous avez une très belle maison. Vraiment? Mm-hmm. Elle vous plaît? Oui, c'est confortable et chaleureux. Merci. Merci, ma chérie. Santé. Chérie, invite-moi à danser. Chérie, tu sais que je déteste danser. Mais moi, j'adore. Kitty? Oh, je ne danse pas du tout. Oh, allez. Je sais ce que tu veux. Vous savez? Ouais. Eh ben... Est-ce que tu as déjà embrassé une fille? Non, jamais. Tu sais quoi? Il faut qu'on change ça. Ça t'a plu? Scarlett, laisse cette fille tranquille. Elle a besoin de prendre une douche chaude et de se changer. Comme tu veux. Débrouillez-vous tous les deux. Moi, je vais me coucher. Je te souhaite de t'ennuyer. Je t'aime, bébé.
Les serviettes sont sur l'évier. Merci. Bonne douche. Georges, je crois que ça ne marche pas. Vous pourriez m'aider? Bien sûr. Il faut tourner plus fort, comme ça. Ah 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 oh, non. Oh, oh. Ah, ah, ah. Je crois que c'est trop froid. Ouais. Deux fois ce soir, sous la pluie, je pense que c'est trop. Et les deux fois j'étais là, avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Je te réveille. Je suis désolée. Où est Georges? Ça t'a plu? Je veux connaître tous les détails. Écoute, dis-moi où est Georges. Je suis vraiment désolée pour hier. C'est pour toi. Merci, c'est vraiment très beau, mais... Mais pas aussi beau que toi. Viens ici. Fais-moi confiance. Salut, Georges. Qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Chérie, calme-toi. Laisse-nous un moment. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait tout ce que tu voulais. Tu as fait tout ce que tu voulais. On pourrait peut-être revenir à... Toi et moi? Non. Ce n'est pas encore terminé. Maintenant, j'ai envie d'essayer un plan à trois. Mais moi, je veux pas. Soit tu fais ça pour moi, soit... T'es vraiment cruelle. T'as demandé à cette fille si elle voulait ça. Ne t'inquiète pas. Je vais la convaincre. Kitty, 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 Kitty. J'ai une idée. Peut-être qu'on devrait aller dîner quelque part. Peut-être. Mais j'ai peut-être une meilleure idée. Alors, mes chéris, je suis prête à m'amuser. Et je ne veux plus être utilisée. Quoi? C'est pas très grave que tu m'aies utilisée. Mais ce que tu as fait à Georges, c'était dégoûtant. Oh, courageuse. Georges. Jette-la dehors. Je connais la sortie et tu peux venir avec moi. Quoi? Pourquoi tu acceptes tout ça? Tu as le choix. Mais je suis personne pour toi. Eh bien, peut-être que moi aussi j'ai vu quelque chose de spécial chez toi. Georges. Georges? Georges, reviens tout de suite! Thank you.